gaat het met u? Goed, ja. Operatie gisteren is ook goed gegaan. Ik vertrek vanuit België naar een ziekenhuis in Nyangezi met artsen zonder vakantie. En ik weet niet wat mij daar te wachten staat. Hoe gaat het hier? Goed. Het doet dat goed. We hebben een missie met 4 dames. De 3 anderen zijn wel al geweest en zijn zelfs al samen geweest. Ik wil eens telefoneren met je buik en met je rug. Dat is een algemeen ziekenhuis waar dan maar 2 artsen werken, maar waar dat eigenlijk tot een paar jaar geleden geen echte dienst pediatrie was. En wij zijn eigenlijk begonnen met een beetje pediatrie daar een omkadering te geven. En we zien jaar na jaar dat dat toch wel zijn vruchten begint af te werpen. De stap die er mij toe gezet heeft om met artsen zonder vakantie contact op te nemen is een uitzending geweest over jonge meisjes die op zeer jonge leeftijd in Congo bevallen, vaak uitgesloten worden uit hun dorp of hun gemeenschap. Dat kan toch niet dat er op deze wereld mensen zijn die ik zou kunnen helpen, dat die eigenlijk niet geholpen worden. Mototo anatingisika. Mototo anatingisika. Ja, van boosje. Bonjour, Justine. Bonjour, bien. Comment ça va? Ça va bien. Ça va. Bonjour. Ze hebben daar eigenlijk niks. Het is eigenlijk de bedoeling van te werken op de manier dat zij daar gewend zijn om te werken en ook met de middelen dat zij daar hebben om te werken. Jambo. C'est un cas de paludisme. C'est une grossesse. Paludisme avec anémie décompensée. Mm-hmm. C'est une grossesse. Il a été transfusé. Il a vu une hémoglobine de combien encore? 7 grammes. 7 grammes. Avant la transfusion. Avant la transfusion, oui. Oui. C'est une grossesse de 32 semaines. Moi, je pense que peut-être il faut contrôler l'hémoglobine encore. De nouveau. Oui. On va peut-être refaire l'échographie. Op zaaltour heb je veel problemen die je eigenlijk in België niet tegenkomt, zoals malaria. Dus die mevrouw die op zaal lag, kreeg een bloedtransfusie om te verbeteren. En voor de rest denk ik dat dokter René mij veel gaat leren over malaria, omdat we dat eigenlijk in België niet zien. En zij het beter kennen dan ik. Dus de leerproces gaat eigenlijk in 2 richtingen. Hallo, ici c'est une jeune dame avec une procédance du cordon sur une grossesse de 17 semaines. 17? Oui, 17 semaines avec le cordon qui était déjà dehors, avec l'enfant qui était déjà, et l'enfant qui était déjà, déjà arrêté, déjà mort. Mais on n'a pas son leucose. Et on n'a pas encore le corps, on va maintenant faire la prise de sang et tout. Voilà. Donc, investiguer. On va investiguer. Vous parlez le français un peu? Non? Non. Est-ce qu'elle est triste? Elle dit qu'elle n'est pas triste parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu oui. A voulu puisse ça passe pas comme ça enfant, et c'est comme ça. Oui. D'accord. On voilà. Continue. D'accord. Vier,
Dat is voor de gynaecologie, dat is enkel voor de gynaecologie. En dan steriele naalden. Gauche 21. Alors, oui. Sabine, ik heb een rehabilitatie gehad. Ah. Mijn is een prematuur. Nu? Of... Ja, ik had mijn kruin een beetje, maar ja. Er staat heel veel blaasjes. Ah. En nu geboren? En ja, normaal gewicht? 2 kilo 130. Een kleintje. Heel kleintje. En een voldragen zwangerschap? Nee. Maar ik weet niet welke. Hier is dat heel vol. Ja, lekker als een kleintje, hè? Ja. Maar je ziet er toch, reageert toch goed precies, hè? Ja. Mijn kreun een beetje. Ja. We hebben hem even moeten reanimeren. Ging het wel, mijn kreun een La beetje? La meilleure place est ici. Ja. Près de sa maman. Hier zijn geen wegen, zeker geen asfaltwegen. Hier rijden geen auto's, dus de mensen moeten hier vaak te voet of met de motto lang onderweg zijn om hier naar het ziekenhuis te komen. En wachten eigenlijk heel lang, vaak als het al bijna te laat is. Ik zal niet zeggen als het al te laat is, als het bijna te laat is. Allez, on va commencer ici. Il y a des malades ici. Oui, il y a un nouveau cas de ce matin. Un enfant qui est agité avec des cris plaintifs. Et de la fièvre aussi. Et oui, oui. Il y a fait la fièvre. On a déjà pris le labo, mais on n'a pas encore les résultats. Wij proberen met de verpleging en met de arts patiëntje voor patiëntje te bespreken en te wijzen op een aantal zaken die misschien beter kunnen. En soms zo'n ogen te trekken over de creativiteit die ze hier aan boord leggen en de kennis die ze desondanks hebben. En door in onderling dialoog alweer proberen van toch kleine boodschappen over te brengen. Tu sais ce qu'on pourrait faire, hein? Hier, on avait dit, tu étais là autour hier? Oui. Hier, on avait dit qu'il y avait 3 enfants qu'on devait peser. Oui. Peut-être qu'on peut déjà commencer par les peser, comme ça Sabine, elle sait combien pèse l'enfant pour le tour. D'accord? En we doen dat met 2. We doen dat niet alleen op medisch gebied, maar we doen dat ook met een verpleegkundige, want er zijn ook heel veel verpleegkundige aspecten die kunnen veranderen of kunnen aangepast worden. C'est pas bien quand même de donner l'antibiotique une fois oui et puis une fois non. Martha, tu sais pourquoi? Et si on voit à 6 heures qu'il n'y a plus de ceftriaxone, il faut aller chercher à la pharmacie. Oui, oui, c'est toujours la même faute. Oui. Parce que pendant les soins, on ne dit pas qu'il y a les médicaments, docteur, signez l'ordonnance, on va prendre d'autres médicaments. Mais ça, il faut le noter là dans le staff. Et après le tour, il faut commander les médicaments. Hein. On va demander à Catherine d'organiser une stratégie pour ne plus avoir ces problèmes-là. Morgen gaan we een toppunt even en met u over spreken. Ja, over het dossier. Dat gaat toch niet? Is, Moi, je me dis, on va relever point par point, on va mettre ça par écrit. Tout ce qui doit quand même être réorganisé. Veel. Ouais. Les volontaires nous ont beaucoup aidé à améliorer. Alors quand on n'avait pas encore commencé avec l'émission MSV avec les volontaires, en tout cas la plupart, beaucoup de nos indicateurs étaient au rouge. Parce que par exemple en pédiatrie qui est concernée par le protocole, la mortalité était à 1%. Maintenant on est à moins de 1% de mortalité en pédiatrie. Vous avez de l'électricité?
Il y a des accumulateurs qui ont été installés par MSV, donc ça veut dire que quand il y a de courant ou quand on allume les générateurs, les accumulateurs emmagasinent de l'énergie. Jean-Claude, votre appareil, vous l'avez laissé dans mon bureau. Merci beaucoup. Maintenant, avant d'allumer, je dois d'abord faire le contrôle. Et maintenant, je peux allumer. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait là-bas? On est en salle d'eau. Effectivement, ça nécessite l'énergie. Ah, donc, pour faire fonctionner les appareils normalement. Effectivement. Oui. Ça ne tient pas. Alors, je vais changer la batterie. Il y a une autre là-haut. On va profiter de charger celle qui est déchargée. Très content. Sinon, avec le groupe, c'est la source de l'hôpital. Sinon, s'il n'y a pas d'électricité, nous ne pouvons rien faire dans l'hôpital. Surtout dans le bloc opératoire. Comme maintenant, ils sont en train d'opérer. S'il n'y a pas l'électricité, il n'y a rien. Ça, c'est l'envers. Oui, apparemment, l'envers est tout autour de l'envers avec des images bizarres. Oui. De zwangerschap zit buiten de baarmoeder, dus in de eileider. En als die zwangerschap groter wordt, barst die eileider. En als dat heel hevig is en je doet daar niks aan, dan gaan die mensen sterven. Voor opereren. Oui. In België is dat een zeer acute urgentie. Zij is binnen van gisteren. En vandaag opereren is hier urgentie. Déjà avec les produits traditionnels. Et on peut aller là pourquoi? Il peut te dire, par exemple, tu es malade, tu as été ensorcelé, c'est elle qui t'a ensorcelé. Alors ça veut dire que tout ce que tu as comme problème de santé, que ce soit mal à la tête, que ce soit rhume, que ce soit mal au dos, c'est toujours parce qu'il y a un mauvais esprit dans toi. Oui, c'est toujours. Toujours. Infertilité, la philosophie bantou, il y a quelque chose, tu as mal, tu as... Donc ça veut dire qu'il doit y avoir quelqu'un ou quelque chose à la base. Mariama, na Mariama, kaba Mariama. Eigenlijk was dat wel interessant van samen met dokter Jefferson op stap te gaan naar een aantal traditionele genezers. Omdat we de voorbije jaren toch al een aantal keren in contact zijn geweest met patiëntjes die behandeld werden door die traditionele genezers. En wij zien ook vaak in het ziekenhuis de gevolgen daarvan. C'est la maison dans laquelle il évoque. Ici, il quand il veut évoquer, oui, évoquer, oui, c'est ici où il s'est mis. Oui, ce sont des hommes très importants, très influents, et ce sont les leaders d'opinion, quoi. Les gens pour lesquels on croit beaucoup à eux dans les villages.
C'est des gens de premier recours. Jefferson, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qu'il a fait là? Bon, en fait? Il dit que l'enfant est malade, qu'il souffrait des maux de jambes. Maux de jambes? Maux de jambes. Koyumana Nambuka. Kanambu Koyumana. Ah, ça va. Mouboke. Nakobon. Il fait d'abord ça, c'est ça le fétiche qu'il a. C'est juste pour savoir est-ce qu'il est malade, il va mourir ou il ne va pas mourir. Il a trouvé que l'enfant ne va pas mourir, mais il a des mauvais esprits. Oui, alors il va oui, faire des autres choses. Oui. 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 Les croyances et tout ça, ça fait partie peut-être de la tradition, de la coutume. On est malade parce qu'on a été ensorcelé quelque part. Et si on a été ensorcelé, donc il faut aller voir les féticheux. Voilà ça, vraiment ça pose problème. On les soigne pendant beaucoup de jours, très longtemps. Il n'y a pas de satisfaction. Ils finissent par arriver à l'hôpital. Malheureusement, dans une situation très avancée, très grave même. T'as vu, Sabine, il y a des gens là-haut. On dirait qu'il y a quelqu'un tout en haut. C'est une autre guérisseur. Ah oui, ce monsieur-là. Ils disent les... Quand il a pogné sa moto, il n'a pas gagné. Il a dit qu'il était non. Il soigne ses mal de dos avec les produits traditionnels que son père lui a laissés. Dis-toi, Jefferson, que vous ne voyez pas à l'hôpital des gens qui ont des infections ou... Effectivement, c'est ça. Qu'on voit, en fait, régulièrement, ce sont des infections digestives. Ou des intoxications. Des intoxications médicamenteuses. Ou bien la peau. Pardon? La peau. Des infections de oui, la oui, peau. Des tatouages qui s'infectent. Des tatouages, oui. Des tatouages. Même des insuffisances rénales, post-intoxication, oui. Produits indigènes. Ah oui. Et puis, moi, traditionnel, quoi. Ils soignent toutes les maladies, et même les cancers, et même les VIH, et même l'Ebola. Ça, maintenant, c'est pour contre la stérilité du couple. Ok. Ça veut dire que si ça, ça se lève comme ça, après avoir pris tous ces médicaments-là, mm-hmm. Il sait que cette femme-là tombera enceinte. Alors, s'il trouve que la femme ne tombera pas enceinte, il doit encore payer plus de l'argent. Et puis après, il reprend les cérémonies. Alors, pour que nécessairement la femme tombe enceinte. Mm-hmm. Jusqu'à ce que la pierre se redresse. Oui, se redresse. C'est un peu difficile de changer la croyance, de changer un tout petit peu la tradition. Mais quand même, nous sommes là pour sensibiliser, et nous continuons la sensibilisation. Thank you.
Vous le faites. Oui, je vous assiste. De middelen kunnen zeker ook nog beter. En dat is denk ik ook iets dat AZV nog wat ter harte moet nemen om de middelen hier nog net iets te verbeteren, om de mensen nog iets betere zorg te kunnen geven. Organisatorisch bijvoorbeeld kan er hier nog wel heel wat verbeterd worden. Alles gebeurt aan Congolees tempo en niet altijd even efficiënt. En dat denk ik dat dat iets is dat van de mensen zelf wat moet komen. Ik denk dat ze met de mogelijkheden die ze hebben eigenlijk wel heel goed werk leveren. Maar ik denk wel dat we heel wat nog kunnen verbeteren.